Previously on the Oscars Music TV, we've talked about the gauge system, Hendrix and Noodles. Now let's see how we can apply this knowledge into the real world. For the common chord progression, it started right now. Salut à tous, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'espère que vous allez bien et que peut-être vous bossez sur des trucs aussi. Aujourd'hui, une petite vidéo assez courte. En fait, je voudrais mettre en application ce dont j'ai pu parler dans les précédentes vidéos. Désolé pour l'intro un petit peu bizarre. Voilà, j'avais envie de triper un peu quoi. Ok, on prend un truc très simple, une progression d'accords vraiment basique et on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'épicer un petit peu et donner un petit peu de vie à tout ça. Donc on va faire quoi ? Do vers le Fa, La mineur et on finit par le cinquième degré, le Sol. Donc on est dans un contexte un petit peu balade hendrixienne. Voilà, c'est toujours sympa. Et puis je pense que ça se prête bien aussi à le genre d'outil dont on va parler, hein, c'est-à-dire cage system, pentatonique, double stop, pour pimenter un petit peu cette progression d'accords, somme toute, qui est assez basique. Donc mettons-nous peut-être dans le groove déjà, et puis après on parle un petit peu de ce que j'ai fait sur l'intro. Allez, go. Déjà, si vous êtes à l'aise avec ça, c'est cool. On peut parler de comment on peut venir donner des petites couleurs passagères dans la progression, en fait, d'accord. Peut-être je vais parler un peu plus dans le micro, ça sera mieux aussi peut-être pour vous. En gros, l'idée, c'est de planter l'harmonie sur la première partie de la mesure et sur la deuxième, de venir mettre des petites fioritures, en fait, quoi. Donc, pour le Do, on va faire ça. Stylé, non? Donc, on commence par la basse. Moi, je joue ça un peu au pouce, façon Hendrix. Mais c'est vrai que selon les guitares et la taille de vos doigts, ça peut des fois être un peu compliqué. Bon, dans ce cas-là, vous prenez le barré et puis... ça marche très bien aussi. Donc, une fois qu'on a planté premier et deuxième temps... on va faire ce petit lick. Donc, en fait, je prends les deux petites cordes en barré. Et je viens faire un double stop avec la sixte là. Ensuite, je vais récupérer de façon passagère un peu le sus 2 là. Et la tierce. Et là, après, je récupère avec la tonique avec le troisième doigt. Donc. Ok, donc. Ok, encore une fois. J'arrive vers le Fa après. Pareil, je plante la fondamentale puis le reste de l'accord. Et il me reste la deuxième partie de mesure pour faire mon petit plan quoi. Donc là on va peut-être faire genre. Vous voyez. Donc là c'est plutôt croche pointé double. Croche pointée double et après. Petite accélération. Et j'arrive sur le La mineur. Donc déjà tout ça. Avec le Fa, pardon. 3, 4. Je prends ce voicing là,
Vous pouvez prendre bien sûr ça, c'est bien aussi, ou ça. Ça, j'aime bien. Ça vous fait un La mineur 7, mais un peu comme les jazzeux font, comme ça là. Mais avec le pouce, comme ça, ça vous laisse votre main dans la position blues un petit peu quoi. Putain, ma corde de sol, c'est une horreur. C'est un peu mieux. Donc, on arrive sur le La mineur et là, on va faire... Ok, une petite neuvième là. Ensuite, je descends la pinta en pull-off là. Et là, je vais faire une appoggiature à partir de la blue note. Ok, donc... Je viens récupérer la basse du prochain accord qui est le sol. Donc juste le La mineur peut-être. Ok, donc maintenant on refait le Do, le Fa, le La mineur et l'arrivée sur le sol. Et là sur le sol, on va simplement faire un truc bête et méchant là, c'est... Donc là, je prends vraiment la, c'est vraiment la façon Hendrix là, de faire un sol. Triade sur le set de cordes du milieu. Basse au pouce. Et là, on va faire un sus 4. Donc moi, vous pouvez utiliser du coup le petit doigt sur la corde de sol, pardon, en case 5, pour de façon passagère, faire le sus 4. Et rythmiquement, on va faire... Pardon, 3, 4. Allez, on met tout bout à bout et puis ça nous fait une petite balade hendrixienne un peu cool quoi. Allez. J'ai oublié le sus 4, je crois. Allez, on refait. C'est tout pour aujourd'hui. Vidéo assez courte, d'autres contenus arriveront bientôt. À bientôt, ciao, bon travail.